Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog de vacances. Je suis sur la côte Caraïbe avec ma copine Sarah. On reste environ 5 jours à Rincon del Mar, qui est un petit village de pêcheurs sur la côte Caraïbe. Et ensuite, mercredi, je m'en irai toute seule à Mompox terminer les vacances. Faut dire qu'après les 8 semaines de cours que l'on a eu assez intenses, c'est des vacances bien méritées. Je suis trop contente d'être là et on a prévu plein de petites choses. Donc, je vous laisse avec la suite. Carthagène, c'est parti! Bon, on était censé décoller, embarquer du moins. Bah, ça va pas être pour tout de suite. Hein. Donc, première galère de vacances. Sarah a dû payer 50 000 pour faire son check-in. Coucou! Et là, on aurait dû décoller il y a 10 minutes, mais comme il fait un temps pourri à Pereira, ben, on attend. Voilà, on attend, on n'a qu'une envie, c'est être dans les Caraïbes, au chaud, parce que là, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc, affaire à suivre. Vol terminé, environ 1h15, donc on est bien arrivé à Carthagène, changement de climat. Et donc là, avec Sarah, on va prendre un bus direction Saint-Onofré. On en a pour 2 heures environ et ensuite on a environ 30 minutes de moto. Voilà, donc ça va être trop cool et on va arriver pile poil pour le coucher de soleil. Donc j'ai vraiment trop hâte. Bon, deuxième retard de la journée. On nous a dit que le bus aurait 10 minutes de retard. Il était d'abord prévu à 14h30. Il est 15h15 et on nous dit qu'il va falloir attendre encore jusqu'à 15h45 avant de prendre le bus. Voilà. Mais bon, on est en vacances, on a le temps, on n'est pas pressé, on mangera de la langouste ce soir, impeccable. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Et nos chers mototaxis se sont bien fichus de nous, étant donné qu'ils nous ont fait payer le double du prix prévu initialement. Et donc après 5 minutes de marchandage, de négociation, on a fini par leur donner ce qu'ils voulaient. Ils se sont checkés et on était bien saoulés. Voilà, on s'est bien fait avoir comme de vrais touristes. Après une nuit affreuse, mais affreuse, aujourd'hui on va partir faire un tour sur les îles. Donc je vous raconte rapidement ce qui s'est passé là avec les images que vous venez de voir. Il s'est mis à pleuvoir, mais un orage de malade. Et en fait on a une chambre au dernier étage de l'auberge avec, comment dire, il n'y a pas de fenêtre en verre, tout est ouvert. Et il a plus tellement, il y avait tellement de vent que tout entrait dans la chambre, tout a été inondé, c'était 2h du mat. Et donc ben, à 2h on a dû descendre à la réception et parce qu'il nous fallait notre chambre, on ne pouvait plus dormir là, enfin, truc de ouf. Donc ils ont réussi à nous mettre dans une autre chambre temporairement, enfin, une chambre qui sentait mauvais. Et c'est surtout qu'avec l'orage il y a eu des coupures d'électricité, donc le générateur se mettait en route et ça faisait un bruit de dingue. Et les voisins avaient la musique à fond toute la nuit. Mais toute la nuit, c'est-à-dire que là ça s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de musique,
mais jusqu'à 6h ce matin, il y avait la musique à fond. Donc ça n'a pas été une nuit reposante, mais c'est pas grave, aujourd'hui il fait beau, on va bouger, on va aller profiter et essayer de se détendre un peu parce que c'est un début de vacances assez mouvementé. Voilà, donc je vous emmène avec nous à la découverte des îles. Normalement c'est Isla Titipan et Mukura que je connais déjà, que j'ai déjà fait il y a 3 ans quand j'étais venue en vacances. Et là on va juste y passer la journée, faire un tour en bateau, se poser, manger, donc ça va être cool. On y va. Bon, avant de changer de chambre, je vous montre quand même la vue qu'on avait, qui était plutôt sympa. Et la fameuse chambre avec la fenêtre où rentrait toute l'eau. Le rideau se soulevait, tout se soulevait dans la chambre. Enfin, c'était tempête, quoi. Est-ce que t'es prête? Oh putain, on penche. C'est parti pour les îles. Vamos! Isla Mukura, ça a tellement, mais tellement changé, je reconnais plus du tout l'endroit. Si l'ami qui est venu avec moi il y a 4 ans ici se souvient comment c'était avant, mais voilà comment c'est devenu maintenant. Là on a un hostel qu'on n'avait pas avant, il y avait juste une petite, un abri où on mangeait. Et il n'y avait pas tout ça, c'était la plage. Enfin bref, ça a trop changé quoi. Le tourisme n'a pas que du bon. Petite journée île terminée, c'était plutôt sympa, même si lorsqu'on est parti en bateau on a quand même réussi à avoir de la pluie. Et un peu déçu d'Isla Mukura parce qu'en 4 ans ça s'est vachement développé, j'avais du mal à reconnaître l'île où j'étais venue quelques années plus tôt. Et c'est blindé de monde, c'est blindé, mais on a quand même bien profité, ça nous a fait du bien, on a mangé du bon poisson. Et là, on est en train d'attendre le coucher de soleil. Les fesses sur la plage avec un petit Sprite, on est plutôt pas mal. Bon, avant ça, la Miss doit passer au centre de plongée parce que demain, elle part faire de la plongée toute seule. Mais les amis, regardez ça! Wow.
vacances. Puis ça, ce sont nos voisins qui ont fait la fête il y a 2 jours. Et c'est comme ça depuis 2 jours. Voilà, ils n'ont rien ramassé. Sarah est partie pour sa journée plongée. Du coup, moi, je vais en profiter pour aller me promener un peu, pour aller visiter le reste de la plage, m'éloigner du village, des hôtels et tout. Et autant vous dire que là, je suis seule au monde. Et voilà, je vais continuer vers là-bas, voir ce qu'il y a de beau. Mais rien que là, la mer, l'eau est bien plus jolie qu'à l'auberge. Et c'est beaucoup plus sauvage, enfin, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Côté pile, côté face, voilà la face cachée des plages superbes et sauvages. Hola! Donc aujourd'hui, dernière journée à Rincón et on a Tiffaine, une copine de Pereira qui nous a rejoint. Donc je pense qu'on va aller se promener, visiter les plages alentour. Et ce soir, on va aller voir les planctons phosphorescents. Moi, je l'avais déjà fait quand j'étais venue en vacances. Mais les filles ne connaissent pas et je pense qu'elles vont kiffer. Même moi, j'ai trop hâte de refaire ça parce que c'était vraiment trop bien. Donc c'est parti, je vous emmène avec nous. Après une matinée chill totale, on n'a rien fait. On a mangé un bon plat de crevettes ultra bon. Et là, on se dit qu'une petite pause gaufre était la bienvenue parce qu'on s'est beaucoup dépensé aujourd'hui. Ah ouais, ouais, beaucoup dépensé. Hein. Ouais. Donc voilà, on va manger, on en a besoin avant d'aller voir les planctons. C'est ça. Ah, je suis rouge. J'ai des têtes des fois sur les vidéos. Ça tourne là? Yes. La grosse. Direction les planctons. Planctons. Yeah.
raconter un peu les planctons hier. J'ai essayé de filmer, mais en fait, on voyait rien du tout, vu qu'il fait nuit noire, qu'on est dans l'eau. Et on voyait vraiment rien, puis on a profité du moment parce que c'était vraiment incroyable. Même si je l'avais déjà fait, j'avais trop hâte de le refaire parce que je savais que c'était un moment vraiment exceptionnel. Et ça a été un moment exceptionnel, on a vraiment kiffé, on était mais de vraies gamines dans l'eau. J'essaierai de vous mettre une photo ou une vidéo trouvée sur internet pour vous montrer à quoi ça ressemble. On part par la mer et ensuite on a dû traverser une espèce de bande de sable pour atterrir dans les mangroves. Et à partir de là, en fait, tu te jettes dans l'eau et t'as tout ton corps qui s'illumine quand tu bouges dans l'eau. Vraiment, c'est incroyable, je ne saurais pas comment l'expliquer. Quand tu sors ton bras de l'eau, il y a plein de paillettes, il y a tout qui s'illumine. C'était trop beau et c'est trop dommage qu'on ne le voit pas en vidéo. Parce que ce serait des souvenirs de ouf. Ensuite, on est passé aussi par une île qui est l'île des oiseaux. C'était vraiment trop beau, l'ambiance était hyper zen, avec le petit coucher de soleil derrière, vraiment trop bien. Aujourd'hui, je veux aller marcher jusqu'à Punta Seca, qui est une marche de 2 heures. Et normalement, en fait, j'aurais dû partir aujourd'hui à Mompox, mais j'ai décidé de rallonger mon séjour à Rincón del Mar, parce que je kiffe être ici. Je me sens trop bien, j'avais envie de profiter de la plage encore. Donc j'ai décalé mon départ à demain pour passer une dernière journée avec les filles ici avant qu'on ne se sépare. Sarah va partir à Cartagène, moi à Mompox, et Tiffen va rester ici à Rincón. Les vacances se passent très bien, ça me fait beaucoup de bien. On chill beaucoup, on se repose, tout ça, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut en vacances. De ouf. Bon, on est rentré dans une des grandes maisons pensant que c'était un hôtel pour prendre quelque chose à boire. C'était juste la maison en fait secondaire de Jean de Medellín. Ils nous ont gentiment proposé un verre d'eau. Mais voilà, il n'y a personne. Mais personne. Il y a plein de grosses baraques. Certainement des maisons secondaires de vacances. Et on est seul au monde sur la plage. C'est ouf! Toute une série de maisons non habitées. C'est vraiment que des maisons secondaires. On a demandé, il n'y a pas d'hôtel ici, pas d'auberge, rien. Ce sont des maisons secondaires. Voilà, ils se lèvent, ils ont cette vue-là. C'est incroyable. Et ici, personne ne vous emmerde. Hein. Là, on va faire le chemin inverse pour rentrer à Rincón, puisqu'il est 12h30 et qu'on commence à avoir la dalle. Voilà. Donc on a bien profité, c'était cool. Hola! Bon, il est 6h30, nous sommes jeudi. Et ça y est, c'était ma dernière nuit à Rincón. Je pars ce matin-là dans une demi-heure pour Mompox. Je me sens bizarre. J'ai beaucoup aimé Rincón. Être en bord de mer m'a fait le plus grand bien. Ça me fait bizarre de partir à Mompox, surtout que je pars seule. Et en même temps, j'ai hâte parce que tout le monde me dit que Mompox, ça vaut le coup, c'est trop joli. Donc j'ai passé un super séjour à Rincón, je me suis ressourcée, j'ai bien pris le soleil. On dirait comme ça que je suis méga rouge, mais en vrai, c'est pas si rouge, c'est plutôt bronzé. Hier, ça a été une journée où il a fait très très chaud, on a un peu cramé. Pourtant j'avais mis de la crème, mais pas assez, il faut croire. J'ai fait le plein de vitamine D, j'ai bien profité de la mer. Rincón, c'est vraiment l'endroit où si vous voulez faire le bilan de votre vie, bah voilà, c'est l'endroit idéal. Donc c'est parti, direction Mompox aujourd'hui. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre. J'ai prévu de partir tôt parce que j'ai prévu qu'il y ait des aléas, on va dire, sur la route. Et je pense que je vais mettre la journée. Donc, dernière vue ce matin.
et il va falloir partir.